Le drame de la mort d'un chauffeur de taxi mozambicain continue d'émouvoir en Afrique du Sud. Le ministre de la police sud-africaine, Natib Tetwa, s'est rendu jeudi sur le lieu de l'incident qui a coûté la vie à Mido Macia. Le 26 février dernier, ce jeune Mozambicain est mort à Daveyton, près de Johannesburg, après une interpellation mouvementée dont les images ont scandalisé le monde entier. Le ministre a rendu visite à la famille du défunt pour présenter ses condoléances. Il a par ailleurs assuré mettre tout en œuvre pour réinstaurer la confiance entre la population et la police. Nous sommes venus pour montrer notre respect et pour exprimer à la famille nos plus sincères condoléances au sujet de ce qui est arrivé à Mito. C'est la raison principale pour laquelle nous sommes ici. Nous allons tout faire pour la préservation de la relation entre la population et la police. Parce que sans cela, il n'y aura pas de paix et nous assisterons à une escalade de la criminalité dans notre pays. En marge de la visite du ministre, des dizaines d'habitants de la ville de Mido Macia ont manifesté. Ils protestent contre le harcèlement de la police qu'ils subissent. Ils sont aussi déçus de ne pas avoir pu discuter avec Natib Tetwa pour lui faire part de leurs doléances. Nous sommes très déçus. Quand nous avons voulu remettre nos doléances au ministre, la police nous a stoppés. Ils ont même menacé de nous arrêter en disant que ce que nous faisions était illégal. Si le ministre avait vraiment voulu entendre les préoccupations des gens, il aurait dû nous permettre de participer à la réunion. Si nous faisons passer l'information par ceux-là même qui nous harcèlent, alors la réunion n'a pas de sens. La famille a décidé de poursuivre la police sud-africaine en justice pour demander des dommages et intérêts. Les 9 policiers impliqués ont été arrêtés et inculpés de meurtre, mais contestent toujours les faits. Cet incident a ravivé les images de brutalité policière du temps de l'apartheid. Il a aussi mis en avant les abus croissants de la police sud-africaine. Des rapports indiquent que plus de 1000 détenus sont morts soit en garde à vue, soit à la suite d'une interpellation en 2012.